on se retrouve pour découvrir ensemble la Goodie Box du mois de septembre. Alors si vous n'avez pas suivi, c'est une box qui est arrivée en France au mois de mars et vraiment je l'adore, elle vient du Danemark. Les produits à l'intérieur sont des produits de beauté exclusivement. On a parfois quelques accessoires mais vraiment ça reste dans la beauté et on a des marques qu'on ne connaît pas forcément en France ou qui vont pas tarder à débarquer. On en entend parler pour certaines. On a aussi des marques qui sont très connues. Vraiment, je la trouve très très bien. Les produits sont en beau format. Elle est au prix de 19,95 €. Livraison offerte. Le seul hic, c'est qu'on la reçoit vraiment en fin de mois. Je l'ai reçue vendredi. Donc voilà, dernier jour du mois. Enfin, je l'ai reçue bien avant, mais comme moi, je suis obligée d'aller la chercher à la poste. C'est plus compliqué mais on la reçoit dans les derniers jours du mois mais elle vaut vraiment le coup. J'ai un lien de parrainage si ça vous intéresse qui vous donne droit à 50% de remise sur votre première box. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si c'est une box qui vous intéresse. Moi personnellement je suis conquise depuis le mois de mars, j'ai pris pour tester comme ça et vraiment je l'adore. Depuis je suis abonnée, je la reçois tous les mois. Donc je vais vous la montrer aujourd'hui, on va découvrir le contenu ensemble. Donc ce qui est cool c'est que c'est des boîtes tiroirs. Alors personnellement je les trouve hyper bien puisqu'elles sont quand même assez grandes. Je les ai réutilisées, en fait j'en ai empilé plusieurs que j'ai repeintes en noir et j'ai posé ça sur mon bureau et je les trouve très pratiques. Elles sont trop belles en plus, le carton est assez rigide et tout donc c'est trop cool. À l'intérieur on a un petit fascicule comme ça avec un QR code à scanner. Alors vous savez ce que j'en pense des QR codes, moi j'aime bien avoir un petit livret avec le détail des produits directement mais bon. En règle générale, je vous avouerai que je le scanne pas. Là, on va le scanner pour que je ne vous dise pas de bêtises, puisque parfois, je pense que c'est un produit, je demande à mon chéri de me traduire, puisque forcément, il y a des produits où c'est tout écrit en anglais, et au final, je me rends compte que je me suis complètement plantée. Donc là, je vais scanner le QR code, et je vais vous donner le détail des produits de la box. Donc quand on arrive sur le site, on tombe directement sur le thème. Là, c'est The Autumn Already. Alors, désolée pour mon anglais, je suis vraiment très très nulle. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, les saisons changent et vous aussi. L'automne est là et cela signifie que votre routine de soins des cheveux et de la peau doit être adaptée en conséquence. Ici, à Goodie Box, nous sommes préparés pour cette saison, un peu comme le Père Noël et ses lutins se préparent pour Noël à l'usine des cadeaux. En rassemblant les produits qui, selon nous, prépareront votre routine à la sécheresse et au froid à venir. Nous n'avons qu'un seul mot à vous dire, hydratation. Donc trop trop cool. Au niveau de la box, je ne vous l'ai pas montré à l'intérieur, mais elle arrive avec un petit papier de soie qui change de couleur selon le thème. Et là, la box, elle est toute couleur chocolat et blanc. Donc on va découvrir le premier produit ensemble. On commence avec une marque qu'on connaît toutes, c'est la marque Algology et on a un super beau format. Donc là c'est la nuit des vagues, c'est un masque de nuit hydratant, ressourçant, donc trop trop cool. Moi j'adore ce type de produit en hiver pour bien hydrater la peau pendant la nuit. Ça c'est un produit que je vais utiliser de sûr. Et au niveau de la page, alors je vais vous montrer d'un petit peu plus près. On a une petite vidéo de démonstration pour le produit et on a ici donc sa valeur, ça c'est bien, c'est un produit qui coûte 25 € quand même, rien que déjà avec ce produit on a rentabilisé la box et ils nous font une petite présentation du produit, de la marque et on a aussi juste là les ingrédients du produit. Donc si vous faites attention à la composition des produits, que vous voulez être sûr de ce que vous mettez sur votre peau, ça peut être bien. Donc le premier produit, je suis hyper contente. La deuxième marque, on la connaît également, c'est Evoluderme Paris. Et là, c'est un gommage pour les pieds. Donc, exfolie et adouci. Il est au beurre de karité, particules de roche volcanique. C'est pour les pieds secs et abîmés. Et on a un format de 125 ml quand même. Donc, c'est un super beau format. Donc, ça, c'est un produit made in France. Et on le retrouve au prix de 5,50 €. Pour le troisième produit, c'est une marque que je ne connais pas, c'est la marque Micura. Donc voilà à quoi ressemble le produit et comme vous pouvez le voir, c'est également un très très beau format. C'est un produit qui a une valeur de 13 € de la marque de K-Beauty, Micura. Alors ça va venir nettoyer le visage, c'est un savon en gelée. Donc c'est une texture qui est très très agréable à utiliser pour éliminer les impuretés, hydrater, réduire les pores et réguler le sébum de votre peau. Il contient des ingrédients actifs non comédogènes et de la vitamine C.
pour donner de l'éclat à la peau. Utilisez le matin et ou le soir et rincez à l'eau. Donc un nettoyant pour le visage, et on a un très très beau format. Donc ça, je pense que ça va me durer un bon moment. Ensuite, on a un produit make-up, puisque ça nous arrive de temps en temps. J'en ai pas eu beaucoup, mais au moins un produit, me semble, dans chaque box. Donc c'est plutôt bien si vous préférez les produits soins, au moins vous n'êtes pas déçu. Et puis c'est toujours des produits qui s'utilisent assez facilement, le mascara, des rouges à lèvres, enfin c'est vraiment très très bien choisi. Là c'est de la marque Wheeler, je pense que c'est comme ça que ça se dit, et c'est un bronzer. Donc voilà à quoi ressemble le packaging. Donc ce qui est bien aussi, c'est que sur le site on a le prix format full size et on a le prix du produit qu'on a reçu. Donc le format vente de 8 grammes est au prix de 26 €. Là on reçoit 2,5 grammes, donc 19 € le produit. Donc je trouve ça très très bien de nous mettre le vrai coût du produit avec le format qu'on reçoit nous, parce que voilà, on sait très bien que dans certaines box ils trichent un peu en nous donnant une valeur qui est un petit peu ouf. Quand on se dit on va recevoir 150 € de produit mais qu'en fait c'est le prix des formats à vente. Donc on est un petit peu lésé, je trouve. Donc là je vous ouvre le produit. Donc voilà le packaging du produit, c'est très très joli. Et on va surtout voir la couleur du bronzer. Est-ce que ça va m'aller? Est-ce que ça va pas être trop foncé? C'est un petit peu pailleté, un petit peu foncé. Donc c'est un produit qui a un miroir, donc ça c'est bien. Et au niveau de la teinte, vous voyez ce que ça donne. Donc ça peut être plus l'utiliser sur les yeux. Moi ce que j'aime bien faire, c'est que je me sers des bronzers pour faire mon creux de paupière et après appliquer une couleur un petit peu pailletée. C'est ce que j'aime bien faire, c'est ce que j'ai d'ailleurs fait là aujourd'hui sur mes yeux. Donc je pense que ça pourrait le faire plutôt sur les yeux, parce que clairement sur la peau, moi ça risque d'être un petit peu trop foncé. Et je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il y a des micro paillettes à l'intérieur. Vraiment c'est tout léger, donc ça va quand même être assez lumineux. Donc écoutez, celui-ci pour le coup j'utiliserai sur les yeux, mais c'est un produit qui me plaît, donc je suis aussi très contente. Au niveau de la teinte, je pense que c'est You Are Gold. Après je ne suis pas sûre, mais je pense que ça doit être ça. Et on termine avec une marque que je ne connais pas non plus, c'est la marque Orange Ball, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et là c'est une crème de jour avec un SPF 15 à l'intérieur. Donc voilà à quoi ressemble le produit. On a un format de 50 ml, donc ce qui est un format vente hein, pour une crème visage. Donc là ça va permettre d'hydrater la peau en profondeur et d'avoir quand même un petit SPF pour les jours où il fait quand même un petit peu moins beau, mais il faut quand même toujours se protéger du soleil, même en hiver. Donc c'est très très cool. Et ce produit a une valeur de 22,70 €. Donc bilan de cette box, on a 4 produits full size et un produit miniature, mais qui reste quand même d'un beau format. En plus c'est un bronzer, donc on n'utilise pas non plus beaucoup de quantité quand on en met. Je trouve que c'est une box qui est très très réussie. Personnellement, je pense que je vais la prendre très longtemps, surtout s'ils continuent de garder ce ratio marque connue et marque qu'on connaît moins en France. Vraiment, moi j'adore ce type de box là, j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aviez déjà vu cette box passer sur les réseaux. Moi, je suis tombée dessus sur Instagram et j'ai sauté sur la notif quand j'ai vu qu'ils étaient disponibles en France. Et j'espère qu'on va encore avoir d'autres box qui viennent comme ça de l'étranger, parce que ça va donner un nouveau souffle et ça va permettre aussi aux box qui sont déjà ancrées dans le marché de faire autre chose, de créer autre chose, de proposer d'autres produits. Donc je trouve que c'est très très cool. Je vous rappelle que vous avez mon lien de parrainage qui vous donne droit à 50% de remise sur votre première box si vous voulez la tester. Comptez sur moi pour vous présenter la box tous les mois, en décalé, mais je vous la présenterai tous les mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein plein de bisous. Bye !